partie numéro 2 de ma commande mix. Alors, les 18 phares, hein, je vous les montrer comme ça vous voyez. Voilà. Super beau, hein. Voilà. Alors, celui-là que j'adore, je commence par celui-là parce que je l'adore. Le Red Pink. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Trop beau, hein. Pour celles qui aiment le mauve, le purple, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Vraiment, hein. Mais vraiment. Donc, il y en a des mats et des irisés. Le rose... il est irisé, mais... ouais, légèrement irisé, le purple aussi. Ensuite, j'adore celui-là. Le Morocco. Donc là, il donne bleu, mais il est mauve bleu. Hein, il est vraiment, il y a du mauve hein, dedans. Donc je sais pas si vous voyez bien la caméra. Je vais vous comparer par rapport à un... ça vous voyez, hein. Parce que moi j'étais étonnée, je pensais qu'ils étaient un peu plus grands, mais ils sont trop mignons, ils sont tout petits. Donc regardez, hein. Ça c'est un Mac, et ça c'est un X. Voilà. Ils sont quasi la même taille. Hein. Voilà. Alors ensuite, en bleu, nous avons le Casablanca. Tous des noms de mon pays. Hein. Voilà, Casablanca. C'est horrible ce stickers. C'est comme les petits Pearlmaniens. Hein. Hein, je vous ai dit. Les petits Pearlmania que j'avais achetés, j'ai dû... donc ils étaient avec un stickers géant ici sur le côté. J'ai dû m'amuser à couper le nom des stickers, du nom de, du pigment et le coller ici quoi. Mais c'était horrible quoi à faire. Voilà, tout décoller. Ici il y en a qui se décollent facilement, mais il y en a d'autres, ça donne pas bien parce que le packaging il est super beau, noir laqué et ça fait des taches quoi, des petites taches. Faut le faire vraiment doucement. Ouais, voilà. Ça, je ferai ça après. Donc ça, c'est le Casablanca. Un super beau bleu. Plus clair que le Morocco. Ensuite, en bleu, nous avons le Irises. Trop beau, avec des paillettes dedans. Donc c'est un bleu clair, azur, avec des paillettes un peu multicolores, mais légèrement multicolores. Hein, j'exagère. Mais il est trop beau. Ensuite, celui-là, il est super. C'est vraiment un qui me fait penser à la petite sirène à utiliser. Vous voyez hein, ce bleu un peu vert. Bon, c'est celui-ci, de l'océan. Ensuite, le Cool Blue. Donc un bleu mat, clair. Voilà. Ensuite, waouh! Ils sont enfermés. Celui-là, il est aussi trop beau. Regardez, c'est le Wildfire. C'est un vert, mais très irisé, mais trop beau. Trop beau. Donc en fait, c'est une espèce de quatre pyramides collées les unes à côté des autres. Et donc ça monte vraiment. Hein. Ensuite, le Hot Green. Et je l'ai touché, celui-là, il m'a l'air un peu crémeux. Je sais pas, il est vraiment... il est... Regardez. Il est vraiment léger, quoi. Donc, je sais pas si... c'est léger, hein. Faut vraiment aimer. Voilà. Donc, ça, limite, c'est pour utiliser si vous voulez faire un verre, mais très léger. Et il est pailleté, avec des paillettes. Ensuite, en vert, il en reste deux. C'est le Exotic Green. Trop beau. Trop beau. Un noir, mais avec plein... Enfin, c'est un vert kaki.
avec plein de paillettes dedans. Enfin, des paillettes, c'est irisé en fait. Hein, vous voyez? Il est très très beau. Je vous conseille. Donc, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, quand il y a des promos comme ça, je vous tiendrai au courant. Je ferai une vidéo et puis je l'effacerai quand j'aurai fait ma commande et que je présenterai les produits. Ensuite, le Mermaid Green. Il est aussi très beau. Il irait bien avec le Exotic Green. Ou même le Ocean, le Wildfire. Voilà. Ensuite, j'ai pris le noir et le blanc, hein, le black and white, mat. Ensuite, j'ai pris le black sparkle. Donc, c'est un noir qui me fait fort penser au Cinderfella de MAC. C'est un noir avec paillettes argentées dedans. Mais il est trop beau. Pour les choses que je vous disais que je recherchais, hein, je vais mettre à côté dans la liste, dans la barre d'infos ce que je recherche. C'est plus des produits MAC comme ce que je recherche. Je vous la mettrai. Je la connais pas par cœur ma liste. Oh, celui-là super, l'autocollant se décolle. Oui. Ah, ça va, nickel. Donc voilà, j'ai décollé le petit autocollant qui est sur le côté. Donc celui-là c'est le yellow, un jaune mat. J'en ai besoin. Je pense que bientôt il y aura un sur le site, pas de Cherry Culture, mais sur le site de NYX même, il y a beaucoup plus de choix, hein, y compris pour les fards à paupières. Et donc il y aura comme il y a un mois de cela. Il y avait une vente, mais c'était génial quoi. C'était tous les produits, je crois, à 1$. Ce qui fait 70 cents ou 80 cents maximum. Et génial quoi, mais je l'ai raté. Golden Bronze. C'est. Il est vraiment. On dirait un vieux doré. Hein. Regardez. Un vieux doré. Hein. Ensuite, le champagne. Champagne. Purée, cet autocollant. J'ai peur de les casser. Je vais vous montrer ce truc. J'adore. Regardez. C'est mon petit Hello Kitty. Prendre mes mouchoirs. C'est pas trop mignon? Et vous mettez votre boîte ici en dessous. Trop mignon, hein. J'adore Hello Kitty. Pour celles qui aiment Hello Kitty, mettez 5 étoiles. Hein. Ah, ça, je crois qu'on est toutes atteintes. Bon, ça ne veut pas. Champagne. Hein, je vais vous le swatcher. Voilà. Et le silver, que j'adore parce que je recherchais un argenté. Super argenté. Et celui-là. Regardez. Vraiment beau. Hein. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Hein. Ici dans les. Dans ma commande, hein, ils ont emballé 6 boîtiers de fards à paupières avec un jumbo pencil. Ils ont mis ça dans des sachets à bulles. Et ensuite, ils ont emballé avec du journal et puis ils ont mis dans une boîte en carton. Enfin, je veux dire, c'était super bien emballé. Faut pas vous inquiéter, tout arrivera en bon état. Donc, je suis vraiment contente du site de Cherry Culture. C'est super bien fait, je veux dire, super bien emballé. Pas de problème dans ma commande. Et j'aime vraiment mes petits produits. Ce que j'ai remarqué, je vais quand même vous le dire comme ça, vous savez, c'est que j'ai remarqué, les boîtiers sont pareils, hein, de devant, mais de derrière. Il y en a un, je me demandais, on m'a envoyé des faux ou... Mais par exemple, dans celui-là, ici à gauche, hein, on vous marque le nom, donc combien de temps ça reste, et là pas. Ensuite, ici à l'arrière, regardez cette fermeture-ci, et regardez cette fermeture-ci, pas pareil. Donc je me demandais pourquoi, peut-être que c'est parce que c'est...